Et rebonsoir le live. Je veux dire, voilà. La partie s'est finie exactement comme vous le pensiez, hein, je suis mort. Bon, dommage, je vais y aller. Toi, t'y vas ce coup-ci? Ouais. Ça m'a saoulé. Le mur invisible, ça m'a pété les couilles. Voilà. Oh, Dame, je m'entends en double exactement maintenant. comme vous le Voilà. Tchuss. Clé cassée, 10 secondes d'utilisation. Putain, le passe-partout qu'on avait avant, c'est du caviar, quoi. Alors, du coup, je vais vous faire une petite démo de ce qu'on disait tout à l'heure avec le rang 1. On va essayer de rejoindre une session, hein. Si ça marche pas au bout de 5 minutes, je crois que je vais... je sais pas ce que je vais faire, je vais peut-être jouer tout à l'heure. Ah là là. Bon alors en attendant je vais vous mettre un peu de musique Dead by Daylight toujours, hein. Il faut ce qu'il faut. Vu que Scorp est parti, tu veux un peu de compagnie sur le TS. Alors en fait, disons que là, du coup, on a notre premier TS qui est mort pour une raison totalement inconnue. Et celui qui a été ouvert là, c'est un TS très particulier qui est surtout en rapport avec avec l'école et les RP qu'on fait en privé. Donc je dois admettre que je ne sais pas trop si je peux me permettre de passer le TS, donc je demanderai. Et on verra, CJ. C'est pas contre toi, c'est juste... voilà. C'est juste un petit peu le bordel et j'aimerais bien ne pas foutre la merde. Tout simplement. Bon, disons que c'est un petit peu... Bah du coup c'est un petit peu le TS des admins étant donné que les trois quarts de mes potes sont admins sur la chaîne. Plus quelques viewers. Ça ne trouve pas, hein, je tiens à le dire. Et tout ça, c'est à cause de mon rank. Parce que Scorp tout seul arrive très bien à trouver. Bon, alors écoutez, on va faire un petit truc,
Je vais profiter allègrement du fait que le jeu bug. On appelle ça de l'opportunisme, mes chers enfants. C'est que je vais annuler la recherche. Je vais la relancer, aller entretenir mon cancer et revenir. Et si on ne trouve pas, je me lancerai en tant que tueur. Donc, à tout de suite, je vous laisse avec cette petite musique pour l'attente. Et le live revient vite. Bonjour. Et alors attention les enfants, surtout pas de cigarettes devant l'écran, sinon c'est le blâme. Et maintenant je vais couper le micro, parce que si jamais il y a une ambulance ou autre, je vais... Mais c'est une blague! Maintenant je vais trouver une partie. Genre maintenant. Putain! Bon. Eh ben puisque c'est comme ça, je reste. Voilà. Bon. Bordel! Il faut que je veuille prendre des pauses pour trouver une partie, soudainement. Hein? Alors qu'en temps normal, tout le monde s'en fout. Personne ne veut me donner de partie. Tout à l'heure, j'ai essayé pendant une demi-heure, ça n'a pas marché. Et le tueur ne valide pas. Ça, c'est quelque chose aussi de totalement obscur et sombre et... Début de la partie, dans 3 secondes, il y a un mec qui a quitté. Je la sens bien, cette partie. Je la sens bien. Alors, il n'y a que moi qui ai mis une offrande. On met la musique en pause. On revient sur le jeu. Une minute trente. Mademoiselle Genesis, à chaque fois que je dis que je vais prendre une pause, elle diminue de 30 secondes. Bientôt, je devrai fumer mes clopes avant même de l'annoncer. J'aurai un temps dans le négatif. Salle des aliénés. Bienvenue à la maison. On est sur la map des aliénés. On est bien. On est à l'asile. On est à la maison. Ah merde, il y a quand même 4 joueurs. Je croyais qu'il y en avait un qui avait quitté. Il y en a un qui nous a rejoint en cours de route, ça se passe comment? Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Trousse de soins. Ça change. Et c'est même pas ironique, ça change réellement. Et je sais pas quel tueur on a pour le moment. Déjà pas le spectre, c'est sûr. Pas le Hillbilly parce que c'est trop calme. Ah, on n'a pas l'infirmière non plus, c'est trop calme. On a forcément un trappeur. Il y avait un piège dans cette herbe. Ah oui. Oh, tous les coups, c'est un tueur qui a des pièges qui OS. Ça répare des moteurs à la chaîne là-bas. J'aime pas bien ça. Il va me retomber sur la gueule. Bon.
Là, visiblement, il est pas venu sur moi tout de suite. Il va venir maintenant, à mon avis. Parce que bon, faut pas déconner, au bout d'un moment... D'accord, il a décidé de rentrer dans l'asile. Bon. On va saboter son crochet, hein. Ah, ça me gratte! Putain, heureusement que je suis au taquet. Oh, j'en peux plus. Ce corps qui décide de m'emmerder, mais uniquement quand je joue, quoi. Sérieusement, quoi. On va pas dire que je déteste mon corps, mais il y a des moments comme ça où franchement c'est pas la fête quoi. Putain, ça me gratte encore. Heureusement qu'il n'y a pas de skill check pour fouiller un coffre. Caisse à outils, caisse à outils, caisse à outils. Yes! Caisse à outils! Elle est encore différente de celle que j'ai déjà eue auparavant. Bah merde alors. Je veux dire, je vais pas finir mon moteur, je vais foncer vers la porte. Je vais foncer vers la porte parce que je suis un gros tarde. Eh merde. Allez, voilà. T'es réparé maintenant. Non. Ok, il y a un crochet juste là. Je vais saboter le crochet. Allez, dépêche-toi. Hé, j'ai saboté ton crochet. Comment tu te sens maintenant? Non? Tu t'en fous? C'est pas sympa. J'ai fait des efforts. C'est moi où j'ai passé... Je suis passé devant le crochet tout à l'heure. Damned, il marche vite. Il marche très vite. Il marche excessivement vite. Non. 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 Pourquoi j'ai voulu aller aider quelqu'un? Putain, je suis trop con. Pourquoi j'ai voulu aller l'aider? Mais pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre? Je n'y arriverai jamais. Très clairement. Oh, il a tracker. Enfin, pisteur. Enfin, un truc. Bon, du coup, j'ai clairement fait une partie pas suffisante pour marquer assez de points et garder un cristal. Donc, je vais perdre un cristal et en plus, je vais pas m'enfuir avec cette boîte à outils qui était bizarre. Cette boîte à outils, elle avait une drôle de gueule. C'est quand même dommage. Je suis persuadé qu'elle faisait un truc pas trop mal. Ça, c'est parce que je n'ai pas eu le droit à ma pause, voyez. J'en suis convaincu.
Oui, je cherche des excuses de merde. Et alors? J'ai le droit. J'ai le droit, c'est mon live. Sinon, ça doit le faire chier quand même que je lutte aussi longtemps. Ça doit l'emmerder parce que il marque pas plus de points en fait quand je lutte. Il s'amuse, il s'amuse. Voilà. Oh. Bon, c'était une partie rigolote sinon. En dehors de ça. C'est quand même une partie fondamentalement. C'était pas trop mal quoi, y a pire. Ah, j'ai conservé mes points tout pile. C'est intéressant. Rang 1, rang 1, rang 1, rang 3. Vous sentez un petit peu la différence là de... Non? Hein? Bon, oui. Bon, voilà. Moi je ressens qu'il y a quand même une légère différence dans le jeu. Ouais. Je vois. Ce sont des Claudettes qui jouent avec des compétences de Meg et de... L'entité vous crée deux coffres supplémentaires. C'est quoi ça? Les chances de générer un test d'habilité réduit considérablement en zone de succès, augmente modérément la vitesse des soins. D'accord, c'est une aiguille et du fil. Pour la trousse de soins en fait. D'accord. C'est intéressant. Bon, on va prendre meneur du coup déjà. Salt in my soup. Bonsoir. Pourquoi DAB? Salt in my sup, you know. Alors, du coup, on va retirer la photo de mariage, parce que comme je disais, je vais faire ma pause. Ce coup-ci, je l'aurai. Fais un DAB. Eh bien, écoute, je ne comprends pas ce que tu me demandes, donc actuellement, explique-moi, qu'entends-tu par DAB? Une minute. Elle réduit vraiment mon temps de 30 secondes à chaque fois. D'abord, j'aimerais savoir donc ce que tu entends par faire un DAB. Et après, j'irai prendre ma pause. Bon, je regarderai ça après du coup, parce que de toute façon je vais en pause. Donc je regarde ça après. En attendant, je vous remets la musique. Et je vous dis à tout de suite. Je vais vous couper le micro aussi parce que si vous entendez...
Alors, regardons. Bonsoir, me revoilà. Donc, pour le moment, on est toujours en petite pause. Alors. Alors, un DAB dans Dead by Daylight. Qu'est-ce donc que cela? DAB hors die trolling, qu'est-ce que c'est que ça? No Deabetent. J'ai cru comprendre que c'était une danse. Alors attendez, on va regarder DAB très clairement ce que ça veut dire. Alors, DAB, Wikipédia. Une danse dans laquelle le danseur descend simultanément sa tête tout en levant un bras dans un geste qui a été noté pour ressembler à des éternuements. Un groupe d'adolescents d'Aban. Genre en fait, fais ça. Ah non, mais quand il a dit salut, je veux dire, il a juste pas apprécié que je parte en pause alors que qu'il venait d'arriver. C'est triste, mais je veux dire, si j'ai prévu de faire une pause, je suis navré pour les viewers, mais c'est ainsi. Du coup, on va couper la musique, on va retirer le texte et on va retourner sur le jeu. C'est la célébration de Pogba. Bah, je t'avoue que je suis pas un fouteux. Clairement pas. Je n'aime pas ça. Je crois que ça s'est compris quand je t'ai dit que tu étais un hérétique en jouant à FIFA, mais. Mais je ne vois vraiment pas à quoi ça rime. Re-salt in my soup. Donc bref, donc salt in my soup, je ne vois vraiment pas pourquoi faire un DAB. Je ne vois pas l'intérêt. Je l'admets, je ne vois pas l'intérêt. Non mais t'inquiète, hein, j'ai vu Salt in My Soup, j'ai regardé, j'ai vérifié pendant que tu n'étais pas là. Et oui, d'accord, ok. Oui. Bon, de toute façon, je suis rang 1, alors ça met 3 plombs à trouver une partie. Si jamais à 30, à 45, je n'ai pas trouvé de partie, je ferai une petite partie en tant que tueur. Puis je réessaierai de trouver un lobby en tant que survivant. Mais ça m'emmerde, depuis leur mise à jour de matchmaking, le rang 1, je peux aller me brosser quoi, pour trouver des tueurs à mon niveau. Il n'y a pas d'intérêt, juste c'est marrant. Bon bah navré de te décevoir, ce n'est pas vraiment mon délire, Salt in my soup.
Je n'arrive pas à voir particulièrement ce qu'il y a de marrant là-dedans. Je rattrape l'amusement avec d'autres conneries, telles que des accents un peu particuliers quand je me fais chasser ou autre. Je dois avouer que tout à l'heure, l'accent allemand quand je me faisais chasser, visiblement, c'était pas mal. Après, n'hésitez pas à me donner un ressenti quand je fais des choses pareilles, un peu bizarres. Ah! Écran buggé. Ok, c'est bon, on a trouvé une partie. Bon, il me faut juste un peu de temps pour trouver des parties. Bon, on va remettre la photo calcinée. Je vais essayer de griller quelques offrandes comme ça au fur et à mesure des parties parce que... Sinon, ce n'est pas possible. Je ne vais pas y arriver si je supprime pas ces offrandes. Oh! On a des joueurs kitsch. Attendez, on va les rejoindre dans le kitsch. On va les rejoindre dans le kitsch. Voilà. Ça y est, je suis suffisamment kitsch maintenant. Je peux les rejoindre. Depuis hier, tu dois faire l'impasse sur mes vannes. Bah ouais, il faut que j'essaye de pimenter un peu, tu vois. Je fais ce que je peux, quoi. Alors, franchement, ça va être la Colwyn Farm et ça me déçoit un peu. Parce que les offrandes pour l'asile, c'est toujours compliqué. Puis en plus, l'asile, c'est notre maison. On est tous fous ici. Oh, bonsoir Mirning. Bienvenue sur le live. Je ne pensais pas que je te verrais ce soir. Et je pense que tu es aussi sur le TS, donc bienvenue sur le TS. Oh mon dieu, il a un dragon dans le dos de son truc. C'est quand même dommage que la tenue soit pas stylée, parce que... Enfin, elle est pas stylée. Elle est un peu particulière, dirons-nous. Je pourrais m'y habituer si je le vois que de dos, tout le temps. Allez, on va saboter, parce que rien à foutre. Ah! Je suis sur le TS, j'ai juste pas de... Ah! De mic. Mais... Est-ce que quand je regarde le chat, on peut... S'il vous plaît! Alors oui, j'ai entendu le battement de cœur, mais je vais quand même continuer parce que je suis beaucoup trop joueur. Et parce que je suis un saboteur allemand, n'est-ce pas? Ah! J'ai attiré le tueur! Ah! Ah, nein! 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 Aïe! Ah, ça pique! Nein! Ok, j'ai fait courir vers l'asile, n'est-ce pas? On va aller retrouver notre infirmière. Infirmière diplômée, n'est-ce pas? Je vais la voir dans l'os. Ha! Dans l'os! Haya! Ok, il est ressorti par l'autre côté. On va courir. On va essayer de lui mettre une quenelle. Oh, je crois que j'ai paumé. Ah, j'ai perdu le grand méchant papo. Ah, le gros vilain papo, ya? Les crocs, monsieur Tapor. La montagne de caviar. Et le petit toast qui va avec. Ils sont en train de faire tous les moteurs sans moi. Je me sens particulièrement seul.
Ah! Ils ont fait le moteur qui est là. Est-ce que la cave est ici? Voilà, c'est ça. Le laisser passer à 38! Le porc! Mais qu'est-ce que vous me voulez avec le porc? Mais ils font tous les moteurs de la map, moi je j'ai plus rien à faire. Ah, un moteur! Hey, c'est fou ça! Je vais pouvoir participer un peu à l'avancée de l'équipe. L'accent russe. J'ai pu tenter d'utiliser l'accent russe, n'est-ce pas? Le problème, c'est que je n'ai pas vodka. Ça, gros problème. Où est-ce que le tueur l'a emmené? Je l'avais vu, Igor. J'ai perdu Igor de vue. Alors, je vais finir réparer le moteur et je vais ouvrir la porte. Je suis nul en imitation. Moi, je suis juste très bon pour tout ce qui est très con, donc du coup. Alors, du coup, on va se suicider parce que techniquement, s'il ne vient pas vers cette porte, c'est un miracle. Et merde, ça c'était très con de ma part. Oh, olé! Olé, senior! Olé, senior! Deuxième version! Olé! Tu veux danser la salsa avec moi? Ah, senior, tu ne sais pas sur qui tu es tombé. Bonjour! Damned, j'étais sûr qu'il arrivait de l'autre côté. Ma seigneur, tu m'as touché. Mais je ne mourrai pas sans me défendre. Je vais chahuter sur ton dos, mon enfant. Je vais tenter de survivre, mais ça ne marche pas car il y a une colline avec une jolie crochette. Ah, il n'y a pas de crochette sur la colline. Alors, il va falloir qu'on m'explique pourquoi est-ce que je m'acharne à gigoter avec une seule main. Quoi? Mais j'avais terminé! Yes, oui, dessous! Gomez, reviens me sauver! Pedro! Et puis, toi, j'ai perdu ton nom! Tiens, je te fous des baffes! Je m'ai défondré! GG. Pablo, tu as ouvert la porte. Moi, tu es quelqu'un de fantastique. Maintenant, il y avait. Il va avoir un pro Carlos. Si, c'était Carlos. Il l'avait oublié. Mais il est perdu. Il est perdu de vous. Je suis profondément dessous. Pedro, tu ne méritais pas une fin pareille. Alors que Carlos et Gomez étaient juste là. Toi, Carlos, tu. Pedro, qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que c'est une connexion que je sens entre nous? Gomez? Ah, Gomez, tu m'as frappé dans le nez! Ça fait mal les nez, tu sais? Ah,
écoute, Antonio, je sais que nous avons eu des différends par le passé. Mais est-ce que tu voudrais bien me reposer à terre? Je trouve ton épaule assez non hospitalière et j'ai l'impression que je vais mourir si je reste en ta présence. Vois-tu? Voilà. Alors, s'il arrive à m'enfuir, je m'en sentirai tellement bien que je vais me faire des sous. Ah, je vais me faire des sous. C'est fini. Je me sens plus. Tout ça, c'est grâce à Pablo Gomez et notre cher ami Carlos. Ah, Carlos. Ne meurs pas, Carlos. Enfuis-toi. Ok, c'est bon. Le toit a totalement abandonné. Je me suis totalement niqué la gorge à crier comme ça à toute voix. Je n'ai plus la gorge. Sidoy. Qu'est-ce qui t'il a, Sidoy? Pourquoi tu dis non? Tu lui dis pas non, tu l'as survécu. Bon. C'est pas trop mal passé. Demain, j'aurai plus de gorge, mais ça s'est pas trop mal passé. On va prendre ça. Parce que j'ai envie. Pièce de monnaie brillante. Mais écoute, Tony. Je t'ai fait de confiance. Mais tu as trahi la famille. Et ça, Tony, je ne peux pas te le pardonner. Enfin, de toute façon, je fais beaucoup d'accents différents, donc... Déjà ? Excusez-moi, j'étais en train de faire autre chose. Je n'ai absolument pas vu que j'avais trouvé une partie. On va faire ça. Et ensuite, je n'aime pas particulièrement être le seul à être kitsch. Du coup, quelqu'un de poli. Hi, bonjour. Je vais tirer ma révérence. Bonne fin de soirée tout le monde. Ça marche, Shinji. Bonne fin de soirée à toi et bonne nuit. Et à demain. Demain, je ferai du Zelda, du coup. Et je ferai du Majora's Mask. Tout dépendra de si j'ai pu réviser tranquillement ou pas. Mais le live se fera soit en soirée, soit en début d'après-midi. Ça marche, Salt in my soap. Bonne nuit à toi aussi. Et au plaisir de te revoir sur le live, écoute. Oh, Benji, bon retour parmi nous. Tu es ressuscité d'entre les morts. Mais tu es comme Pedro, Gomez et Carlos. Tu es revenu d'entre les morts. Benji, tu arrives pour la période des imitations de l'accent. Nous sommes donc sur la case de l'Auto Heaven. Un endroit désolé. Alors désolé, pas comme dans « je suis désolé hein? ». Désolé comme dans « il n'y a pas grand chose ». Ah!
J'ai fait une crise cardiaque si tu recommences. Putain. Je vais mourir du cœur qui va arrêter d'y battre. C'est pas possible ça. Il est passé, je lui ai fait un câlin. J'ai senti son odeur. Je me sens pas bien là. Je suis dans le stress. J'ai trouvé une lampe torche qui merde en plus. Ok, le tueur, il est occupé avec quelqu'un d'autre. Elle nous le ramène d'issue. Tilly, dégage. Voilà, c'est bon. Je m'y sens plus à l'aise. J'y crois. Tu es seul, Docteur Warming. Oui, je suis seul. Scorpion, il est parti s'y coucher. Du coup, j'anime les chats en les faisant les imitations. Moi, j'aime bien les imitations. C'est rigolo. Ça dit-on. Tout à l'heure, on a eu l'accent allemand, l'accent russe, on a eu l'accent de l'italien, enfin, un accent hispanique, quoi. Là, on a l'accent qui lit... On va dire j'y suis raciste après. Ah, merde. Ah, c'était pas la bonne idée, hein. C'était vraiment pas la bonne idée. Tu me laisses m'enfuir. Merci. Je t'y donnerai kebab sauce blanche. Tout ce que tu veux. Pas de problème. Je suis quelqu'un de gentil, moi. Pourquoi tu lui dis bonne nuit et elle part pas? Je t'accompagne, on va rire un peu. Alors, l'accent belge. Après, comme je le disais, l'accent belge, c'est particulier. Parce qu'en Belgique, il y a plusieurs accents. Je l'ai pas senti très bien celui-là. Je dois l'admettre, j'ai les sueurs froides dans les dos, dans la nuque, j'ai sur le visage, j'ai partout. J'ai la caméra, je fais n'importe quoi avec. Je suis complètement foutu dans le stress. Et je disais bonne nuit aux gens qui sont partis au lit. Ah ben oui, c'est bien ce que je disais. Je me disais aussi, mademoiselle, elle va pas partir. Et sinon, je disais quoi? Je disais l'accent de Belgique, l'accent belge. Il y a plusieurs accents qui existent. Où est-ce que tu l'as pendu? Elle a parenté niveau 3. Et c'est bon ça, c'est pratique. En train de dessiner des moutons volants qui font des cacas arc-en-ciel. Ah! Ça y est, c'est mon quart d'heure de folie. Bah, c'est très bien les quart d'heure de folie. C'est le moment où tu peux te dire que finalement, c'est la fête. Et là, c'est le moment où votre sauveur et streamer court vers la cave pour aller décrocher la jeune innocente enfermée en bas. Et du coup, elle se tape un sprint pour pas que j'aille la sauver. Elle va se faire taper, elle va revenir dans la cave et moi je serai là pour la décrocher. Je serai les héros de la journée, voyez. Ça va être un peu dur de dessiner pendu sur un crochet. Oh, c'est toujours un problème au début ça. Après tu fais avec ton imagination quoi.
Cours, mon enfant! Cours! Sauve ta vie! Et moi, je m'y casse parce que franchement, ça pue le caca là. Hein. Ça pue la merde! Hé hé, ben non, tu mourras pas tout de suite! Parce que je suis un vrai connard! D'accord, alors toi tu t'en fous, mais alors royalement. J'ai la trappe, elle est juste là. Ça pue le caca arc-en-ciel. Bah d'un autre côté, c'est le caca des filles, donc ça pue forcément plus fort que celui des garçons. Parce que bon, elles se font passer pour des princesses et tout là, mais je vous assure, hein, quand elles pètent, ça pue plus que nous parfois. Hein. Elles ont les intestins, ils sont moisis. Hein. Je vais me cacher ici et je vais envoyer des textos. Bonjour maman, comment ça va? Moi je suis perdu en forêt avec des grands messieurs qui font des trucs pas jolis et qui veulent me tuer. Bisous, j'espère te revoir pour la Noël. C'est bon, j'ai envoyé mon message. Je peux ressortir. Maintenant on va faire ici. Je ne fais pas caca. Sexisme. Bah tout de suite tu cries au désastre du sexisme. Depuis tout à l'heure j'imite des accents, on me dit pas que je suis raciste. Hein. Moi je sais pas ce qu'il fait le deuxième. Picaresca là. Je sais pas ce qu'il fait. Il décide de s'enfuir, il tricote un pull. Mademoiselle Genesis ne fait pas caca, c'est une fille, vous comprenez? Elle essaie de nous faire croire à ça, mais c'est qu'un mythe et des légendes, ça. Eh bien non, désolé. Moi aussi, je sais où elle est à la trappe. Moi, oh, c'est une bonne partie. Hein. On va pas se mentir. Oh, cette partie de rang 1. Mince, elle est toute la puissance. C'est l'apogée. Moi, je suis quelqu'un de bizarre. Hein. Faut pas commencer à s'inquiéter maintenant. J'ai mes cheveux, ils me disent merde encore. J'en ai mal. J'ai le cheveu, il arrive comme ça, il fait ta gueule, toi, tu. Même pas, je te respecte. Clé cassée. Pourquoi pas? Ok, je vais avoir le temps de prendre la clé cassée, techniquement. Quelle offrande je peux utiliser maintenant? Ah bah salut! Vu l'heure qu'il est, ça va être fun, tiens. Sympathique soirée sinon. On se marre bien ici. C'est complètement n'importe quoi, mais je crois que c'est pour ça que les gens viennent. C'est probablement parce que c'est du grand n'importe quoi. Les étirements. Oh. Un jour, je réussirai à trouver une partie. Excusez-moi, j'ai un petit peu brain fart, j'ai vu quelque chose. Bon, je vais remettre de la musique en attendant.
Et cette mèche qui m'emmerde. J'ai les cheveux, ils font non, je t'écoute pas. Du coup, c'est assez original parce que j'ai mon onglet avec la musique de Dead by Daylight. Et du coup, je regarde si je trouve une partie grâce à OBS. Comme ça m'évite de couper le son du jeu à chaque fois. Laisse la mèche rebelle. Et pourquoi, hein? Pourquoi est-ce que je devrais laisser cette mèche rebelle? Moi, je n'ai envie que d'une chose là depuis tout à l'heure qu'elle m'emmerde. J'ai envie d'une seule chose, c'est d'aller dans la salle de bain, de me mouiller légèrement la racine des cheveux et de me peigner pour qu'elle arrête de m'emmerder. Bah, je vais faire une pause pour mes yeux. Oh. Vous imaginez pas le bien que ça fait de pouvoir retirer ses lunettes. Bon, par contre, je n'y vois rien. Je veux dire, là, je suis aveugle. Je vois tout flou. Mais vous n'imaginez pas la délirance. Genre, mon nez se sent libre. Alors, du coup, je vais mettre en pause la musique. Voilà. Je force avec mes yeux pour voir quelque chose. C'est perdu, ça c'était OBS, ça c'est Dead by Daylight, on annule. On recommence à chercher une partie, on fait ça. On lance la musique. Voilà, c'est ça. Bref, là je suis dans une petite période de délivrance. Ah. Malgré cette mèche qui m'emmerde. Mais bon. Oh. Parce que je l'aime bien. Tu as l'option barrette rose. Donc voilà, l'argumentaire de Mademoiselle Genesis, c'est que je dois laisser ma mèche rebelle parce qu'elle l'aime bien. Tu stream jusqu'à quelle heure? Bah ça dépend. Généralement je dois avouer que je m'arrête plus ou moins à 2h du matin. Après 5h. Une seule fois j'ai fait un stream jusqu'à 5h du matin. Une seule fois. Mais aujourd'hui je sais pas, c'est un petit peu... C'est comme ça vient. Je pense que j'arrêterai un petit peu quand j'en aurai envie. Oh, 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 oh. Bon, je ne trouve définitivement pas de partie. Ces lunettes sont complètement dégueulasses. Oh, oui. Je ne sais même pas comment j'arrivais encore à voir au travers. Cette mèche m'emmerde. Si jamais je ne trouve pas de partie, allez, à 15, j'irai faire du tueur un petit peu.
Alors, j'ai une autre musique dans les original soundtrack. Petite musique de l'angoisse. Alors, laquelle c'était déjà? Je crois que c'était celle-là. Ça marche, Mirning. Bonne soirée à toi et bonne nuit. Bonne fin de soirée à toi et bonne nuit. Bon, ça c'est un petit peu l'angoisse, mais pas tant que ça. C'est pas celle-là que je pensais. Ouais. Je pense que je ferai une partie en tant que tueur et puis basta. Basta luego. Ouais, j'ai retrouvé la musique de l'angoisse. C'est bon. Oh, mais attendez, j'ai trouvé. Ah bah c'est bon. Bah j'ai trouvé une partie. Bon. Bah du coup, vu que j'ai trouvé une partie, on terminera en tant que survivant. Avec ça. Et puis allez, je suis joueur. On va prendre une boîte à outils spacieuse. Avec des petites add-ons tranquilles ou pépères. Voilà, on va saboter tous ces putains de crochets. Ouais, je suis un déglingos, moi. Je suis un malade. Je suis un ouf malade de la tête. Ouais, il y a eu 4 fraudes, hein. Bon. Je ne sais pas si je vais faire un accent particulier pour cette partie. Peut-être. Si j'en ai envie. Mais là, tout de suite, je ne pense pas. Vous avez déjà eu le droit à pas mal de d'imitations d'accent ce soir. Ce soir, c'était un peu la fête quand même. Vous avez eu le droit à des accents bizarres. Est-ce que c'est une photo blague? Est-ce que tout homme manque de moi? Je vais aller lui éclater la gueule, moi, au tueur. Il s'appelle comment? Nerf and Nurse. Putain, quoi! Please! Je vais défoncer sa gueule. L'accent dinois de t'es pas très bon. Hein. On va pas te mentir, t'es un accent qu'on n'arrive pas à faire. Hein. Bon alors, si à 15 j'ai pas trouvé, je pars en tueur. En plus, il m'a fait gaspiller une offrande de nouvelle lune, quoi. Tu fais pas ça à quelqu'un, c'est dégueulasse. Enfin, je m'en fous un peu, je suis niveau 49. Mais tu fais pas ça à quelqu'un, qu'il soit niveau 49 ou niveau 10. Respecte les gens. Fais quelque chose de ta fucking life. Bon. 15. Voilà. Rituel journalier. Est-ce que j'ai un nouveau truc ou est-ce que je dois redémarrer le jeu? Je dois redémarrer le jeu. Bon, je ne le ferai pas du coup. Alors. Une petite partie pour le plaisir en tant que tueur. Ouais, oh, j'aime bien jouer le trappeur. Pour stresser les gens, c'est fantastique.
On va faire les salauds. Il y a un joli bug pour celle-là. Et puis le sac, comme ça il voit les. Non, allez, on fait le salaud. On fait les salauds jusqu'au bout aujourd'hui, c'est fini. Memento Mori d'Ivoire. On fait ça. On crée le salon. On va tout défoncer, ça va être dégueulasse. On est des salauds, on est des chiens. Mais on va les défoncer. On va les défoncer, les petits survivants. Là. Enfin, je fais le malin maintenant. Si ça se trouve, ils vont me mettre une tollée pas possible. J'aurais l'air beaucoup plus con après. Je vais avoir l'air beaucoup plus con s'ils me mettent une tollée, tiens. En tout cas, on a un survivant différent à chaque fois. Allez, valide, Dwight. Non mais, viens pas m'emmerder avec ma messagerie à cette heure-ci. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Ils m'emmerdent un peu ces gens-là. Viennent me dire que mes paramètres de messagerie sont obsolètes alors que ma boîte mail fonctionne parfaitement bien. C'est quand même honteux. Non mais où? Alors qu'est-ce qu'ils ont mis comme offrande? Oh, un chêne pétrifié. Tu crois que ça va me ralentir? Après, je peux très bien faire l'accent allemand. Je vais tuer quelques jeunes adolescents. C'est plutôt des jeunes adultes, mais bon. Ce n'est qu'un détail. Qu'importe l'âge, ils sont coupables. Et ils paieront pour ça. Ou alors l'accent russe, je ne sais pas. Va falloir se décider tôt ou tard. Bien. Je crois que je vais partir avec un accent un peu spécial. Je vais partir avec l'accent de la Mauritanie. Je vais installer les pièges. Parce que des petits trous, encore des petits trous. Voilà, un piège ici. Ce qui fait que techniquement, si je pose un piège là, ça va être pas mal. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que quand les pièges peuvent one-shot, les survivants adorent se manger les pieds dedans. Mais tu as couru par ici. Mais tu es là. Tu es là, ma petite Claudette. Viens faire un câlin. Je suis quelqu'un de très gentil. Je t'assure. Je t'assure que je suis quelqu'un de sympathique. Hello. Alors, maintenant que je me suis transformé en véritable psychopathe, je vais pouvoir aller accrocher notre cher ami Claudette. Ah merde, j'ai chié là quand même. Elle va réussir à s'enfuir là. Elle va réussir à s'enfuir alors que j'étais à côté du crochet. Crochet du droit dans ta gueule.
Claudette, tu es une cible de choix. J'espère que tu es au courant de ça. Car tu mourras la première. Oh putain. Oh, elle est bonne. Oh, elle est très bonne. Mais pas autant que je ne le pensais. Ah, ma petite Claudette. J'espère que tu aimes la liberté que tu as eue. Car elle fut courte. Et moi, j'aime ça. Bon. Maintenant. J'en ai vu un passer par ici. Pour la simple et bonne raison que vous allez vous mettre à courir très bientôt. Et tu t'es déjà mis à courir, mon petit Jake. Et c'est une très bonne chose. Parce qu'honnêtement, si tu arrives à passer cette fenêtre, je vais péter un câble monstrueux et je vais... Ah ! Il a passé la fenêtre ! Comment il fait ? Salaud ! Du coup, je vais poser un piège ici. Parce qu'il faut sécuriser ses arrières quand on fait ce genre de choses. Mais c'est fantastique. M'indiquer sa position si gentiment. Jake, Jake, Jake. Tu ne sembles pas avoir compris. Comment a-t-il fait pour disparaître totalement de mon champ de vision? Je veux dire, il laisse plus de marques, rien du tout. Non mais ok, il est pas mauvais. Il est pas mauvais du tout. Je vais l'admettre. Je le conçois largement. Mais, il y a des moments où faut pas trop déconner non plus. Et je dois admettre que toi, mon gars, tu vas finir... Tu vas finir à la cave, si j'arrive à t'y amener. J'ai réussi à t'y amener. C'est pas grave qu'il joue là-bas pour m'occuper. Qu'il joue. Moi aussi, je joue. Et je m'amuse énormément. Alors... Ah, il y en a un, il s'est juste cassé, quoi. Il en a juste rien à foutre. Ah, ça y est, il l'a finalement libéré. Merci. Alors, du coup, toi. Toi, tu vas là.
Alors maintenant, lui, où est-ce qu'il a bien pu passer? Ah merde, il a peut-être trouvé la trappe du coup. Il est peut-être allé vers la fonderie du coup. Je ne sais pas où il est. Mais il n'a pas l'air de savoir que la trappe était ici. Oh putain, je viens de le trouver. Mais sinon, j'ai encore oublié que j'avais un memento mori, tiens. C'est pas la première fois que ça m'arrive et c'est pas la dernière non plus. Ah. Enfin voilà. Du coup, ah bah ça tombe bien ça. Du coup, on a la trappe. La trappe. Bref. On va prendre du truc divers et varié, j'ai envie de dire. Voilà. Et donc, sur ce, les enfants, eh bien, je vous souhaite donc une bonne fin de soirée. Une bonne nuit, je suis fatigué, et je vous dis à demain pour du Zelda du coup. Donc, ciao ciao!